Tu apparais toujours quand j'ai besoin de toi. J'ai un pouvoir, c'est pas possible. Il y a un moment où tu n'as pas besoin de moi. Très drôle. L'homme politique ivre que tu m'as demandé de ramener. Nous avons eu quelques ennuis. Quelle horreur! Je suis content de voir que toi, tu n'as rien. Je vais bien, mais la nature est cruelle. Des animaux nous ont attaqués, le pauvre homme est mort. Ah, ça? La vie est imprévisible. Que veux-tu? Ça n'a pas l'air de t'attrister beaucoup. Qu'est-ce que je peux y faire? Nous ferions mieux d'oublier ce qui s'est passé. Et toi, d'oublier que tu l'as rencontré. Tu disais que tu avais besoin de moi. Oh, tu es tellement professionnel. Bon, c'est très simple. J'aimerais que tu retrouves une chose qui a une grande valeur sentimentale. Que faut-il retrouver? C'est un Olisbos. Si tu le voyais par terre, même toi, tu ne te pencherais pas pour le ramasser. Mais j'y tiens beaucoup. Cela me ferait très plaisir de l'avoir de nouveau en main. Je trouve que ça ressemble à de la sensiblerie. Tu te ramollis. Ah, je suis tout sauf mou, je peux te l'assurer. Concentre-toi, Alcibiade. C'est quoi un Olisbos? Une source de plaisir. Quand la nuit se prolonge et que je n'en peux plus, un de ces objets permet de continuer à s'amuser. Tu es un grand garçon, va le chercher toi-même. D'accord, mais il est possible que la femme qui le détient en ce moment ne soit pas ravie de me revoir. Cet objet doit avoir quelque chose de spécial. Quand tu verras cet Olisbos, tu comprendras. Et quand tu le tiendras en main, contre ta peau, quand tu sentiras tout son poids, là tu sauras. Chaque fois que je te vois, j'ai l'impression que tu vas coucher avec quelqu'un, ou que tu en as envie, ou que tu viens de le faire. Cette femme est ta dernière conquête? Ai-je dit avoir couché avec elle? On pouvait le penser. Comment trouves-tu le temps de faire autre chose? Par détermination. Il existe une proximité que ces instants sont les seuls à pouvoir apporter, et qui n'aime pas la proximité. Je vais te rapporter l'Olisbos. Il n'est pas impossible que cette femme désire le conserver pour me punir. Il est sans doute préférable d'agir discrètement et rapidement. Elle habite à l'est d'ici. Ne t'en fais pas, tu l'auras très bientôt. Je vais devoir faire très attention par ici. On ne veut pas de toi ici, mercenaire. Dégage!
Les paupières, j'imagine que c'est cet objet. Il est différent du souvenir que j'en avais, et nettement plus gros. Il va beaucoup lui manquer. Il n'a jamais été à toi, n'est-ce pas? Tu m'as envoyé le voler. Nous n'avons pas volé qu'un Olisbos. Nous avons volé un objet de famille et la confiance d'un mari. Sans lui, il s'occupera plus de sa femme que de ses affaires. Et je pense en toute sincérité qu'elle appréciera ce changement. Tu as menti! Encore! Je ne crois pas, non. J'ai choisi mes mots avec beaucoup de soin. Tu as dit que c'était sentimental. Ça l'est, mais pas pour moi. Je n'ai pas menti une seule fois. Oui, je n'aime pas ça. La seule chose qui compte, c'est que tu aies récupéré cet Olisbos et que tu m'aies rendu un grand service. Et moi dans tout ça? Allons, allons, nous ne sommes pas des étrangers, n'est-ce pas? Je vois bien que tu ne me refuses jamais un service. Tu veux que je te montre tout l'intérêt de cet Olisbos? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Et je peux très bien te dire non si j'en ai envie. D'accord, je l'ai mérité.